gens, on est reparti sur une nouvelle vidéo. Yeah, ce petit let's play donc Pokémon Crazy. Nous sommes repartis sur les aventures. Wow. Sur les aventures de ce jeu. Donc pour le moment nous sommes en train de regarder un nouvel hack, enfin un hack, hein, faut pas dire, chute. Et ça concerne donc Pokémon Chrono, qui est un hack qui m'a plutôt plu, enfin un ROM fan qui m'a plutôt plu. Pourquoi? Je l'ai trouvé assez intéressant car il y a une histoire assez bien développée, je trouve, pour celui qui l'a fait. Et nous avons un beau bug, c'est le fail du début de chaque vidéo de Naïko. Et car mes vidéos commencent toujours avec un beau fail. Et voici le premier, donc ça fait que le ROM n'est pas trop bien passé. Donc, on va passer parce que ce n'est pas très esthétique. J'explique rapidement quel est Pokémon Chrono. Donc c'est un jeu qui a une aventure, comme je le disais, un petit peu mieux développée que les autres. Et que le premier que j'ai fait avec Ponyland. Ce jeu a laissé des séquelles en moi graves. Bref, nous continuons. Donc Pokémon Chrono, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se retrouve plongé dans une annule. Là, ça y est, je recommence à m'embrouiller. C'est un jeune garçon qui entre dans un univers assez sombre, comme on peut le voir, qui entre la réalité et l'irréel. Et nous voyons exactement un petit monsieur en tenue noire, avec des yeux rouges. Qui est-il? Que fait-il? J'en sais rien. Donc le jeune garçon est plongé entre deux univers apparemment qui sont entre l'irréel et le réel. Et il doit découvrir un peu la vérité sur tout ça. Quand se passe exactement l'histoire de Pokémon Chrono? L'histoire de Pokémon Chrono se passe avant Vert-Feuille et Rouge-Feuille, donc avant Rouge et Bleu et avant Vert. C'est donc apparemment les parents des héros, dont Red et Green. Ash et Régis, Sacha et Régis, pour ceux qui ne connaissent pas les noms anglais. Donc c'est leurs parents apparemment, si j'ai bien compris. Et nous sommes dans une histoire assez palpitante, puisque nous sommes entre les ténèbres et la lumière, comme je l'expliquais. Et le monsieur est en train de parler, il doit nous expliquer cela. Face aux mystérieuses étranges créatures. Donc le monde est peuplé de mystérieuses créatures apparemment étranges. Donc le jeune héros de cette aventure qui se nomme je ne sais plus, et il doit découvrir ce qui se passe dans ce monde. Qu'est-ce qui provoque, si vous voulez, l'effet des ténèbres de cette aventure un peu irréelle. Irréelle, je m'explique très mal, je sais. Alors, on va le laisser un peu parler, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc, voilà, distinguer le rêve de la réalité. Donc il est plongé entre le rêve et la réalité. Cela pourrait évoqué un tout autre Pokémon et qui est, je crois, un creepypasta sur le fait que Red serait dans le coma, qui rêverait. J'ai entendu cette histoire, quelqu'un me l'a raconté, c'est assez bizarre. Enfin, c'est un creepypasta, je ne ferai pas de creepypasta, je pense pas. Tout simplement parce que je trouve pas de ROM. Voilà. Les ROM que je vois sur YouTube, eh bien, je peux pas y jouer puisque les créateurs ne veulent pas les partager, ce qui est normal. Voilà, nous plaguions Pokémon, nous sommes tous des gros méchant. Je continue car les minutes passent et voilà. Alors apparemment nous avons un secret à découvrir dans le cœur. Ce secret est sans doute la chose qui pourrait faire changer le monde. Je crois que j'invente les mots. Ah je l'ai dit, on est prêt. Godredi face secret. Alors il faut découvrir le secret de cette aventure. Un duo. Alors waouh, on dirait un des personnages d'Inazuma Eleven. Je sais plus comment il s'appelle. Le gardien d'Inazuma Eleven. Pas Endu, mais l'autre. Taishi Kimaru. Non. Enfin, quelque chose comme ça. Alors, nord-sud. Alors, nous sommes plutôt sud ou plutôt nord? Je dirais que je suis nord, mais je vais prendre sud. Depuis mettre fille et garçon, ça aurait été 10 fois mieux. Donc, on va pas s'embêter, on va mettre 7, donc je m'appelle 7. Very well, bien. 7, mais c'est un ring, je ne sais pas, du ring, la nuit, Yursatus. Ah, c'est bien ça. Alors, c'est vrai, je ne l'ai pas expliqué. Pendant la nuit, on peut faire des rêves prémonitoires, apparemment, où on peut voir ce qui va se passer dans l'avenir, si j'ai bien compris. Alors, vos rêves laissent place à quelque chose, mais
ce ne sont pas réelles, les voix qui montrent comme ça. J'ai pas eu le temps de lire parce que c'est passé tout seul. Voilà, Maille, où je suis? C'est quoi cette place? On dirait un cimetière. Ceci est palpitant. On va un peu avancer car je suis à 5 minutes et j'ai rien fait. Hey! Il y a quelqu'un là-bas, je crois. Je vais lui parler. Ok. Alors le gars, il est dans un cimetière, il voit un gars habillé d'une cape noire avec des yeux rouges, et qu'est-ce qu'il fait? Il va lui parler. Ouais, moi je serais partie en courant, je vous le dis de suite, je suis une grosse trouillarde. Ou je renvoyais un Pokémon. Mais puisque j'en ai pas, je ne peux rien faire. Ou un pitbull. Alors, you did you know my name? Comment vous connaissez mon nom? Apparemment, il m'a appelé. Tu n'as pas besoin de savoir. Où je suis? Vraiment, il y a un... oui, non, un cimetière. Tu es dans un cimetière. Dans la vallée de Graiana. Antisous grave, je ne sais pas. C'est impossible, je suis vivant. Regarde. Vas-y. Avec tes yeux. Ah, regarde par toi-même avec tes yeux. Impossible. Oula. Tu es en train de rêver. Même, t'es sûr, c'est ta destinée, ton passé, ton présent, ton futur. Tu veux changer cela? Qui es-tu? Ce n'est pas important pour le moment. Putain, laisse-moi tranquille. Un truc comme ça. Je ne sais pas ce qu'il a dit. What the... quelque chose. Voilà, comme vous le comprenez, je ne sais absolument pas lire l'anglais, donc vous allez avec moi beaucoup rigoler ou beaucoup vous énerver, car je ne sais absolument pas ce qu'il dit, ou je comprends que quelques mots, donc j'essaye d'inventer des phrases avec les mots que je comprends, comme là, rêve. Qu'est-ce que c'est que ce rêve, un truc comme ça. Pourquoi il y a mon nom gravé sur la tombe, un truc comme ça. Bon, je suis à 7 minutes, j'arrive à 10, je fais une coupure et je reprends, car j'ai peur que Cam Studio bug. Car il a encore bugué. Alors... La pendule est cassée, c'est pas mon problème en même temps, voilà. Non, je veux pas changer l'heure. Bonjour maman. C'est amusant car le personnage actuellement parle. On avait toujours l'habitude d'avoir des personnages muets, comme des cartes. Là, il parle. C'est bien, celui qui a fait ça a eu l'idée de faire parler le personnage qui est mieux pour moi, pour d'autres peut-être pas. Moi je trouve ça intéressant car on peut savoir enfin ce qu'il pense, car quand on joue avec un espèce de pantin qui ne fait qu'avancer et lancer des Pokémon sur les dresseurs, je trouve ça un peu ennuyant. On va passer après sur autre chose, donc... assistant, je suis un assistant. Lucas, ok. Place. Alors apparemment ça doit être soit notre rival, soit notre ami. Lucas. Je crois qu'il nous aide un peu dans l'aventure. Oh, on dirait un bébé emballé dans un papier rose, mais en fait c'est une grand-mère. Malheureux. Les petites maisons. Oh, il a bien fait, n'empêche. C'est bien fait. Les maisons sont correctes, il y a tous les petits détails, ça manque pas. Oh si, c'est sympa, j'aime bien. Il y a quoi là? Une dame. Bonjour. Cette région, le climat est anormal. Sumer en un truc anormal. Hein. Je ne sais pas s'il est anormal ou abordable. Je ne sais pas du tout. Donc, faut que j'arrête de dire je ne sais pas puisque ça sert à rien. Oh, salut Lucas. Tu es lent. Allons-y. Oh, il y a des arcanins. Oh, c'est le bouton. Ouille. Ça regarde où, Monsieur Rufus? C'est vous, Monsieur Rufus? Hé, les enfants, j'ai besoin de votre aide. Avec ma truc. Lucas, on ne sait pas. Bien sûr, Hawk, mais j'ai un problème pour vous, les enfants, ou les jeunes. I left him back in the park. Ah, il a oublié son sac dans le parc. I am going back home. Lui, il rentre chez lui, apparemment, il n'a pas envie de l'aider, apparemment, je sais pas. Je recommence. Je promets de quelque chose. Back. When get my guide back to go in my place. So that I could give you my quest. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Oui, d'accord. Donc, oh, il y a des arcanins, ils sont beaux. Je sais, je voulais aller tout droit. Donc, oh, ben voilà, c'est trop facile. Alors, c'est un scout. Back, c'est greux. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Ah non, c'est un Graiana, enfin un Mediana.
Oh, il est mignon. D'accord. Non, il est pas mignon en fait, c'est un gros méchant pas beau. Je vais le pulvériser. Bon, je fais une petite coupure, les gens, je reviens de suite. Et je vous reprends car là, je ne sais pas si ça va passer ou pas. Alors, à tout de suite.